Besoin de trouver ou recharger votre voiture électrique? Découvrez ChargeMap, le service pour localiser les bornes de recharge. Téléchargez l'application sur votre smartphone et rejoignez la communauté. Partagez vous aussi des informations sur les points de charge dans votre région. ChargeMap, disponible sur le web, tablette et mobile. Voilà, alors la Zoé est en charge. Est-ce qu'il y a une manipulation spécifique à faire pour la débrancher? Tout à fait. Contrairement à une wallbox qui est constamment connectée au courant, là, il faudra absolument stopper la charge de la Zoé avant de débrancher la prise de courant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas provoqué un accident, un incendie, ni quoi que ce soit d'autre de dangereux. Par contre, vous allez user la prise de courant en générant des petits arcs électriques assez intense à chaque débranchage de cette prise. Deux façons de faire. Alors, soit vous venez tout simplement appuyer sur le bouton d'éjection du câble de la Zoé. Voilà, et vous débranchez le pistolet. Ou alors, vous appuyez sur le même bouton que vous avez utilisé pour lancer la charge afin de l'arrêter. Pour seulement après débrancher la prise de courant. Ok, donc a priori c'est relativement simple, on appuie sur un bouton et on déconnecte. Mais il ne faut pas oublier de le faire. Voilà. Ok, bah merci Sébastien pour ces explications. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui sera un petit peu plus technique.